La mer toujours, la ville d'Outouroi vient de réceptionner son bateau de secours comme toutes les communes. Elle est responsable de la sécurité dans la bande littorale des 300 mètres. Aujourd'hui, elle peut pleinement l'assurer grâce à ce bateau équipé de deux puissants moteurs hors bord. Il a coûté 11 millions de francs et a été financé par l'État, le pays et la commune. Dominique Gaucher, adjoint au maire en charge de la sécurité publique, explique à Julien Vesco les raisons d'un tel investissement. L'objet de notre réunion aujourd'hui, c'est la réception et le baptême de la nouvelle unité maritime de secours de la commune d'Outouroi, qui est juste derrière nous et qui fait la fierté aujourd'hui de la municipalité. C'était pour se mettre en règle, je crois, avec la loi, en fait, la loi municipale. Ben disons que le CGCT nous confère la sécurité sur la bande des 300 mètres du littoral communal. Et donc pour pouvoir exercer cette mission, il était important d'avoir un moyen d'intervention sur l'eau. Oui.